il va être exquis, shaker. Ah, et moi, ça, Franck. Merci à toi. Ça c'est très bon. Hein. J'ai mis de la banane, c'est plein d'acide aminé. Et du B12 aussi. Et du B12. Ah, les copains. Thierry. Ah, oh mon Dieu. Thierry. Daniel, viens. Qu'est-ce que je fais? On sent que je mets partout. Je crois qu'il saigne. Oh là là. Doucement. Elle t'a pas loupé, hein. Bon, c'est quoi ces histoires, là? Je faisais du dos croulé pour les lombaires et j'allais faire de la brasse coulée pour le cardio quand j'ai cru voir un gros poisson. J'ai voulu le caresser et il m'a mordu. Un poisson? Je vous jure. Vous ressemblez à quoi, salopard? Il était énorme. Putain, je te jure que moi, je vais le retrouver. Je vais le défoncer, ce matin. Je vais le défoncer, moi, je le dis. Je suis à fou, hein. Calme. Tu sais très bien, je suis à moitié vegan. Ne touche pas à ce poisson, s'il te plaît. Excuse-moi, frère, je me suis laissé emporter par les événements. Pas grave. Pardon. Thierry! Merde! Thierry, non! Qu'est-ce qui se passe? Thierry! Réveille-toi! Reste avec nous! Thierry! Pas maintenant, Thierry! Pas après tout ce que t'as fait, Thierry! C'est un cauchemar. Tu m'étonnes. Bon, c'est bon, les gars. J'ai eu le docteur au téléphone, il sera là dans 1h10. 1h10? Ouais. Mais on peut pas le laisser comme ça! Thierry, réveille-toi, bon sang! Franck, je vais lui faire du bouche à bouche, t'inquiète pas. Non, laisse, je m'en occupe. Non, mais tu sais pas le faire, Franck. Faudra me passer sur le corps. Ah ouais, tu veux une bagarre, ça que tu veux? Un sac, tu veux? Mais bon, allez, moi je m'en occupe. Ouais, non, mais. Mais c'est quoi votre délire, les gars? Rien, je. Moi je rends service. Messieurs, dites 33, v'là le doc. Mais qu'est-ce qu'on a là? La vilaine morsure. Une morsure? Ouais. Et pas des moindres. Celle d'un requin blanc. Il y en a pas mal en cette saison. Un requin? Un requin blanc de souche. Oh, et c'est très 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 moche. Docteur. Il faut absolument que je sois sur pied pour ma compétition de Fitoka. C'est dans 2 semaines. Jeune homme, vous n'y pensez pas. Avec une blessure d'une telle ampleur, vous ne pouvez pas faire de sport pendant au moins... ...14 jours. Oh non! Messieurs. Oh, pardon, excusez-moi. Ah. Excusez-moi. Merci, docteur. C'est une catastrophe!